le renvoi justement de Pierre Poplin directement dans les bras de Fritz Lee, le numéro 8 néo-zélandais de cette équipe de la SM. On va assurer la sortie de camp. En fait, à domicile, c'est assez rare de voir les Castrais s'incliner ici à Pierre Fabre. Ils se sont en plus inclinés face à une équipe réputée plus faible, en l'occurrence l'USAP. C'était lors de la 11e journée. Rosière côté Clermontois. On se passe directement sur le... Ah d'accord. Pardon ? Tony Bello, vous allez le voir, c'est Georges Moala qui va réaliser un bon travail en temporisant avec la bonne venue d'Anthony Bello. Il lui transmet directement dans l'intervalle l'ancien All Black Georges Moala pour ce premier essai dans la rencontre. Anthony Bello qui échappe aux griffes d'Adrien Kokagi et qui permet à son équipe de mener 8 à 3 en attendant la tentative de transformation. À l'adversaire clermontois, ça ouvre des brèches également. Ils sont un petit peu sous pression à l'image de cet en avant commis par Julien Dumorat et ça va donner une mêlée bien placée pour cette équipe de la SM. La transformation qui passe pour Anthony Bello et ça fait 18 à 3 pour cette équipe de Clermont après 25 minutes de jeu.